Bonjour tout le monde, nous voici comme promis dans la précédente vidéo pour la suite et fin, maintenant c'est sûr, du coloriage extrait du livre de Julia Spirit et de Zoé Inspiration. Là, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, je n'avais pas pu vous mettre la fin sur une seule vidéo. Donc, vous allez trouver ici la toute fin du coloriage. Donc, les cheveux, je vais colorier les cheveux. Et donc, je vais vous laisser visionner. Là, je ne vais pas faire beaucoup de blabla sur celle-ci, mais je vais vous laisser visionner tout de suite la vidéo en espérant qu'elle va vous plaire et que le résultat va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des petits pouces bleus. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Allez, vous n'allez pas faire de télé avec moi. Allez, venez. Asseyez-vous. Voilà. Allez, c'est une victoire. Il a dit comme ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, venez m'approcher. Il a dit comme ça. Ça serait cool si quelqu'un me connaît ça. C'est pas d'accord, ça. Moi, j'aime vous être. Est-ce que le film est clair? Bon alors, Jerry, Jerry, vous avez regardé la bébé Caro et ensuite vous
Allô? Ouais? Bah ouais, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord! Ah, bah si tu vas te fatiguer, ouais, t'as raison de me téléphoner maintenant, là. Bah dans ces cas-là, c'est pour qu'il me téléphone. Non, le fils, il va pas. Faut me téléphoner, ça va pas. Ouais. Pourquoi t'as travailles pas la semaine prochaine? Ah, tu veux le mercredi soir? Ah, d'accord. Et après, ça sera le mardi, et après, ça sera le lundi. Je le dis. Et après, ça sera le mardi, et après, ça sera le lundi. Ah. Bah, c'est quoi? Hein? Ah, d'accord. Là, t'en poses. T'as mangé? T'as mangé quoi? Ouais. Ah. Ah, bah, ça va. Pas trop chaud? T'as pas trop chaud? Ah, ça va un petit peu. Mais dans les ateliers, ça va, c'est aéré. Ah, t'es en couture, là? Oh, bah, ça va quand même. Bon, c'est bien. T'en penses jusqu'à quelle heure? Oh, t'es bien surpuissant. Ah bah ça va, t'as encore le temps. Avec maman, ça va? Ça a l'air? Ah bah là, si ça a l'air, ça a l'air, c'est bien là. Ouais. Ah bah c'est long, hein. Il faut 6 mois. Tiens, elle l'a fait quand? Ouais. Ah ouais. Ah, peut-être qu'avec maman, vu qu'ils vont voir l'âge, tout ça, ils vont aller peut-être plus vite, hein. Ils vont s'apercevoir de l'erreur, et puis voilà. Hein? Maman, elle va faire des courses. Elle travaille pas? Courage, alors. Ouais, mercredi prochain, bisous. Pourquoi il a appelé? Comme ça, parce que demain et vendredi, il va être fatigué. Ah, il sait à l'avance. Enfin. Moi, c'est Amandine. Ah, ah ouais, elle veut jeter des moules à gâteau tout neuf. Ah, elle me demandait si je les voulais. Oh, tu vas les mettre tout. Non, c'est des petits. Tu peux pas m'oublier. Y'a amoureux de papa. Oh.
Thank you.
Joséphine aurait épousé personne. Ça lui fait l'honneur que Dieu se soit enregistré sa vie. Et l'honneur que pour les enfants de lui. Et l'honneur qu'il a tout donné à ses enfants, son puissance, son âme. Et qu'il était sur le point de vous plaisir alors que cette sorte allait. Amen. D'ailleurs, vous avez un petit pauvre qui était alors de l'enfer à ça. C'est pas ce qu'on a. Par une autre, je veux dire que M. Joséphine peut m'attuer. Je peux même traverser. Que ça avait profité de la vie de Maurice. Pasó la de pasar la guillotina. Chez Susanna, mais alors là, ça va pas être pire. Pourquoi? Ben, Susanna, elle habite pas l'ancienne. Ouais, c'est pas à côté de l'ancienne, c'est à Rouen qu'elle habite. Ouais, mais si, c'est la limite, hein, c'est pareil. Il hein. Y en a pour 5 minutes hein, pour y aller. Mmh. Tu vois, il était là? Ouais. Tu as moitié endormi dans le canapé. Il a pas parlé de son travail? Non. Délision, elle dit ouais, papa, il dit que c'est moi qui a cassé le pare-brise en jouant au ballon. Je dis bah oui, c'est vrai, je dis j'étais là, je l'ai vu. Ça va être un peu long, le ballon.
il n'est pas beaucoup fendu, hein. C'est juste en haut, là, au niveau du rétro, hein. Ben, là, c'est bon, lui faire, hein. Ben oui, mais s'il n'est pas assuré... Il s'est bien dépensé 60 euros pour 9 canettes de bière. De je sais pas quoi. T'es sûr? Eh ben... Ils vont pas lui changer le pare-brise. Ils vont faire comme ils avaient fait avec nous, avec... la Peugeot, là, quand on habitait à la Haute-Borne, là. Mm. Ils m'ont un truc de je sais pas trop quoi, là, avec un appareil. Ah oui, mais quand c'est un truc comme ça. Mais là, c'est une étoile, quand même, hein. Ben, justement. Là, il faut changer le pare-brise, lui. Il peut y aller, il se renseigne, hein. Mm. Est-ce qu'ils peuvent le réparer combien, et combien ça coûte, ou s'il faut changer le pare-brise. Parce qu'il suffit qu'il se casse pendant que ça roule. Ah oui. Amandine, elle me fait t'as vu mon nouveau bébé? Elle s'en va être seule. Tu vois, j'ai vu. Ah, je t'ai eu un nouveau robinet aussi. Alors, Joël, tout de suite. Hein? Bah, du coup, on a acheté un lave-vaisselle qui était peut-être encore bon. Je sais pas, j'ai dit rien, mon Dieu. J'ai encore regardé le robinet. Mais du coup, il n'y a plus rien dit. Il y a des bricoleur à la maison.
Un massage avant toute sans huile, c'est comme un café sans parler de chocolat. C'est juste un petit peu. Je vais essayer de l'appliquer par l'autre. Alors, on vient de massage chauffant sans alcool, les yeux pour bon côté, les sans doigts de la chambre. Juste toi et moi, les bougies, la vie. Je pense porter à ses pieds, je remonte comme ta journée. Je vous dis. Je suis là comme je l'ai fait il y a 30 ans. C'est vraiment la partie où on n'est jamais trouvé.